Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, une nouvelle ouverture de Supply Drop, mais pas n'importe laquelle, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le petit défi que j'ai enfin terminé. Ça fait 3 semaines que j'essaye de terminer ce défi, mais forcément vu que je joue plus trop à COD, ça a mis énormément de temps, mais j'ai finalement réussi à le débloquer. On est aussi à moitié prix sur les colis, moitié, je vois pas là, pourquoi il n'y a pas barré et que c'est pas marqué 15? Je comprends pas, enfin... Non, c'est pas logique, hein, on est d'accord, et bah moitié prix quoi. Enfin, non? Ok, bon apparemment c'est pas comme ça que ça marche chez Activision. Bref, sur ce, on est parti, on va commencer par les ouvertures de colis rares, normales, et on va... tranquillement, pourquoi est-ce que je peux annoncer les bruits grisés? Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et puis après on va passer à l'arme, on garde le meilleur pour la fin comme d'habitude. Et de toute façon, pour vous dire ce que j'attends, je pense que j'attends 3 armes à peu près dans tout ce que je veux ouvrir là. 3 armes de mêlée, hein, on va être d'accord, j'attends 3 armes de mêlée, parce que je sais que je vais, enfin j'ai rien eu en gros depuis le début, hein, je suis niveau 780 quelque chose, 770, je sais plus, j'ai absolument rien eu depuis le début, donc je pense que ça va continuer comme ça, donc là je pense qu'on est bien parti déjà, et que par rien eu j'entends bien sûr pas d'armes on va dire, hein, parce que bon les armes de mêlée ça compte pas comme des armes, hein, chez moi personnellement, parce que bon si je veux utiliser une arme de mêlée, que j'utilise le couteau, que j'utilise le pied de biche, que j'utilise la faux accident, ça fait la même chose. Allez, j'aimerais bien par contre avoir au moins tu vois, une arme, même un truc de mêlée, mais j'aimerais bien au moins qu'il me donne quelque chose quoi, tu vois, qu'il me donne un peu de motivation pour continuer, parce que au moins sur les, je sais pas, je vais en ouvrir quoi, une petite trentaine là de colis je pense, avant de passer au colis des défis. J'aimerais bien, tu vois, avoir une arme qui ressorte un petit peu du lot à ce moment-là, tu vois, parce que là, là, ça fait mal, enfin, tu vois, là, t'as plus envie de continuer, là, clairement, quand t'ouvres un truc comme ça, là, avec un coup à longue barrelle, ah, putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça, putain, on est, hein, là, c'est bon, là, je vais tout gagner avec, hein, c'est bon, prestige, reptile. Ah, il y a des skins stylés et tout, mais moi je m'en branle des skins, moi je veux juste les armes. Je m'en fous complètement d'avoir des skins, tu peux me donner toutes les skins du jeu, je m'en bats les couilles. Je veux juste des armes. Je pense qu'on n'est pas rendu, hein. Ouh, Dragonfly. Alors tu m'expliques l'intérêt de ce truc là. Le machin. En fait c'est comme si le mec il avait une vision thermique, mais tout le temps, parce que t'es tellement flashy que tu te fais repérer à travers toute la map, mais trop facilement quoi. Allez, Lookout, nomade. Allez, taunt pour nomade, j'avais oublié ça aussi. J'avais oublié le petit détail des taunts pour nomade. Ice sur la Cuda, ouais ok, pourquoi pas. Allez, il me reste combien? 275 clés. Ouais, allez. Encore une petite dizaine d'ouvertures, et puis après les duplicata. J'y crois pas du tout, hein. Enfin, moi, je vous le dis, j'y crois pas du tout. De toute façon, avec ma chance, je pense que c'est impossible d'obtenir des armes. À mon avis, hein. Je pense que c'est impossible. Oh lolo, cette ouverture, mon gars. Oh là là. Il y a des trucs, des fois. C'est quoi, ça? Ah, c'est monochrome que je voyais. Je voyais clignoter le petit truc orange. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Je voyais un sniper derrière et tout, mais en fait, non. Bon, de toute façon, si j'avais eu le sniper, ça aurait pas été la fête, hein, tu vois, parce que le RSA interdiction, c'est pas que je m'en fous un petit peu. Déjà que je suis pas joueur sniper, mais en plus, un sniper qui est moins bien que les autres, je sais pas ce que tu veux que j'en fasse, mais bon. Ok. Allez, ouais, Grapsus sur Prophète. Ah, ils sont stylés les skins, hein, y a pas à dire, hein, mais je m'en fous. Je veux une arme. Je veux juste une arme. C'est l'arnaque totale, ce truc, c'est l'arnaque totale. Allez, combien encore? 78, eh, j'en ai déjà ouvert quasiment 20 là, tu vois. Et j'ai rien eu, hein, voilà. Oh, j'ai un couteau, ouais, j'ai un couteau. Non, non, c'est juste un camouflage de couteau. Ok, allez. Combien est-ce qu'il m'en reste là? Oh, magnifique. Il me reste de quoi? Même pas de quoi ouvrir une. Alors, on va burn les duplicates. Je sais pas pour combien je vais en avoir, pas beaucoup, je pense. 75, 84. C'est tout, 84. Bon bah on va pouvoir en ouvrir 3 de plus je pense. Parce que normalement c'est 3 clés maximum, minimum par ouverture. Donc ça devrait nous tomber à 90. Storm sur la VMP, oh yeah. Génial. Et Grizzly, ok. Matching sur la 48 Dredge, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je crois que j'ai déprimé en fait quoi. Bon, voilà, ça c'était magnifique. Alors, ensuite on va ouvrir un comme ça, hein, et pour le fun, hein, voilà, parce qu'il me reste 10 clés, donc tant qu'à faire, autant les utiliser. Voilà. C'est ridicule. Et on est parti pour les 10 bribes, les 10 premières. Allez.
C'est ridicule ce truc, c'est juste hallucinant. C'est la lutte totale. C'est la lutte finale, voilà, c'est... Gem sur la dingo, ok. Je peux même pas faire autre chose qu'en rire en fait, tellement c'est ridicule. C'est ça le pire. C'est... Dire qu'il y en a, tu vois, qui ont joué genre pour être jusqu'au niveau 100 par exemple, Prestige Master, ouais, qui ont genre 10 âmes et tout. Ok, pas de problème. Normal. C'est quoi le truc qui clignote là? Prestige sur le locus. Ok. Oh, il y a des skins sympas, hein, mais bon, voilà. Il nous en reste combien là? Il nous en reste 4. De los muertos. Ah, stylé les calling cards par contre. Stylé. Je m'en fous, mais stylé. Ça va. Oh, j'ai vu l'Argus encore passer là. Ce skin de l'Argus, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans les... Il est tout le temps dans les trucs, tu sais, quand tu vois clignoter les icônes, tu vois, tu le vois encore, là. Bon, je sais pas, j'ai peut-être raté une arme sans m'en rendre compte, hein, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Donc, alors, attendez, parce qu'il me reste encore des clés pour ouvrir ça. On va bien garder pour la fin, tu vois, parce que là... Imagine, j'ai un truc, là, sur les deux que je veux ouvrir, oh là là, ça serait la fiesta, là. Ça serait la fiesta. 45, il faudrait que j'ai 15 clés pour pouvoir en ouvrir un autre derrière. Ça va pas être possible, je pense. 15 clés, c'est quand même relativement rare. Monochrome sur la Gorgon, ouais, 3 clés. Et le dernier, hein, là je suis sûr d'avoir une arme. Alors je vous parie, alors je sais pas combien je dois parier pour dire que ça sera une arme de mêlée, tu vois. Parce qu'à mon avis, ça sera une arme de mêlée, j'ai pas le choix de toute façon. Mais on est parti. Et là, arme de mêlée. Oh, j'ai 40. Oh, j'ai 40, ok. J'ai 40. Alors je pense que c'est. Je sais même pas quoi en penser en fait. Parce que la G40, ok, je suis pas un grand fan de la G40, parce que j'avais joué sur le compte de One Up For You avec. J'aurais préféré le FFAR, hein, clairement. J'aurais carrément préféré le FFAR. Mais vous vous rendez compte quand même qu'en 774 niveaux, si on va voir dans mes baraques, je suis à 16 jours 22 heures de jeu, ce qui nous fait... Calculatrice, 16 fois 24 plus 22. Ce qui nous fait 406 heures de jeu. En 406 heures de jeu, j'ai eu uniquement le pied de biche. Uniquement une seule arme, c'est le pied de biche dans les colis normaux. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce que j'ai eu. En 406 heures de jeu. Enfin, y'a que moi que ça fait halluciner ou... Parce que bon, le G40, je l'ai eu parce que j'ai eu le truc où on a forcément une arme. Donc forcément, voilà, il compte pas parce que de toute façon, c'était obligatoire que j'ai une arme. J'ai quand même eu que ça. Alors j'ai peut-être raté quelque chose, je sais pas, j'ai raté une arme, c'est pas possible. Ok, j'ai 40, mais j'ai raté quelque chose, non? Non, même pas. J'ai rien raté, j'ai vraiment rien eu en fait. D'accord. Bon, bah voilà, écoutez, je pense que je vais de ce pas aller emprunter le compte de quelqu'un pour faire le focus sur le FFAR, je pense. Et puis voilà, hein, parce que là, ça commence à... Hein, voilà, c'est pas mal du tout. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, j'espère que vous aurez aimé me voir ma malchance légendaire. Parce que c'est clair que, bon, là, je... Enfin, hein, je... Comme je vous disais tout à l'heure, je sais même plus quoi en penser, que je déprime, c'est ça. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao.